Aujourd'hui, en 2007, la France, c'est tous ses peuples. Et aujourd'hui, on voit que la digestion, elle se fait lentement, mais pas sûrement, justement, parce qu'il y a un nouveau visage qui se profile de la France et la France, elle a du mal à l'accepter, quoi. Et on est en plein dedans, quoi, en ce moment. C'est vrai, je suis plus un clan d'or à Paname. Tu veux me faire rappeler la Marseillaise, c'est que t'es pas né. Je serai toujours un blédard, même avec leur paplard. Avant de mourir, je veux réussir avec mon art. Donc je crois que le rôle du hip-hop, justement, c'était vraiment essayer de relayer le message, mais le vrai message profond qu'il y a derrière tout ça, quoi. C'est-à-dire le fait que la France ne nous accepte pas comme ses enfants, alors que, comme on te l'a dit déjà, on est né en France, on a grandi ici. Donc au bout d'un moment, ça suffit, quoi, d'être au second plan. Ici en France, on sait que l'existence est dure. On perdure toujours dans le freestyle, il faut pas qu'on se perde. Et même si on sait que la vie est dure, on s'en fait pas parce qu'on a confiance en notre futur. Présent avec Abbas, on fait pas de magie, Black G aussi. C'est la colère, tu peux la maintenir, mais à un moment, la sagesse, elle peut plus rien faire. Donc à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la colère qui a débordé et ça a créé cette émeute, quoi. J'ai la dalle, comme un jeune de Soweto. Papa n'est pas blindé, j'ai pas de plan B. Si je me plante au 2B, je devrais rentrer. Mais sortir un peu des choses qui sont aberrantes et les Français qui ne réagissent pas, quoi. Les jeunes de banlieue aujourd'hui, c'est de l'illusion totale, quoi. C'est de l'illusion totale. Tu vois, parce que t'as la France et t'as la banlieue. Et c'est deux choses différentes.